Moi, j'ai le souvenir d'une patiente qui était toujours angoissée à chaque consultation, à chaque fois qu'elle venait pour ses cures de chimiothérapie. Les entretiens étaient très difficiles. Enfin, la prise en charge était difficile en général. Et cette dame a commencé à faire du karaté. Et en fait, elle a retrouvé le sourire. La seule chose qui la rendait heureuse, c'était ses séances de karaté. Elle m'a dit que la seule séance qu'elle avait ratée, c'est le jour où il a neigé, où l'hôpital était inaccessible. Je crois qu'il y a le combat, en fait. Oui. Mais il part de combat, ouais. En fait. Ouais. Combat contre la maladie. De capacité d'agir, en fait. Il y a beaucoup de patients qui me disent « mais je ne savais pas que j'étais capable de ça ». Soit si c'est l'art-thérapie, produire ce type de dessin, ou parfois pour la relaxation, les gens découvrent des sensations, ils disent mais jamais j'avais senti ça avant. Les gens découvrent souvent, ou redécouvrent parfois, mais des choses qui sont importantes pour eux. Et vraiment, parfois on peut parler de découverte parce que c'est vraiment des choses qu'ils connaissaient. Les soins de support, ce sont les soins et soutiens nécessaires aux patients tout au long de la maladie, parallèlement au traitement spécifique, c'est-à-dire en plus de la chimiothérapie, de la chirurgie et de la radiothérapie. Les soins de support sont orientés vers l'idée de donner une meilleure qualité de vie aux patients. Donc c'est à la fois une idée de meilleur confort, mais aussi une idée de vraiment retrouver une qualité de vie. On se rend compte qu'on ne peut plus traiter un patient sans une prise en charge globale. C'est très important. Ça permet d'améliorer la qualité de vie et les patients adhèrent mieux du coup au traitement. Il existe ce qu'on appelle un dispositif d'annonce qui permet de mieux prendre en compte les particularités de l'annonce vis-à-vis des patients et de réaliser des choses qui sont moins brutales qu'avant. Cette consultation médicale où le médecin annonce la maladie et évoque également les soins de support qui seront disponibles est suivie d'une consultation infirmière. Et donc l'infirmière, à ce moment-là, non seulement réexplique les éléments liés à la maladie et aux traitements qui ont été indiqués par le médecin, mais en plus, elle a un rôle à ce moment-là d'évaluer, d'écouter le patient et d'évaluer les besoins qu'il pourrait avoir maintenant en soins de support. Avec les différents numéros de téléphone. Voilà, on y est. Donc là, pour prendre rendez-vous et pour pouvoir en bénéficier. Les soins de support, c'est des personnes. Hein. C'est des intervenants qui ont un savoir et qui sont là pour aider les gens à vivre au mieux la maladie. Ce qu'implique aussi les traitements, les nombreux effets secondaires qui sont liés à la maladie et au traitement. Et c'est vraiment pour pouvoir supporter tout ça. C'est vrai que là, le patient a vraiment pris une place centrale et surtout son confort de vie. Chaque membre de l'équipe peut vous renseigner, hein, aide-soignante, infirmière, médecin, enfin agent. Tout le monde est à l'écoute. Vous pouvez normalement demander à tout le monde. Il n'y a plus qu'à lire et à agir. Voilà. La première fois que je suis rentrée à Léry, en fait, j'étais fatiguée par les traitements, j'étais un peu vide, mais j'avais plein de questions dans la tête, en fait. Et celle qui me préoccupait le plus, c'était les problèmes de dépistage de cancer, parce que j'ai une grande fille et j'ai des petites filles, et moi, je suis tombée sur le cancer un peu comme ça, quoi. Je suis venue à Léry avec ces questions-là en premier, et Fabienne a cherché de l'info, elle m'en a donné. Et en plus, comme il y avait un atelier qui était organisé dans la caserne qui suivait, eh bien, elle a tout simplement demandé aux médecins qu'ils évoquent ce sujet. Donc j'ai participé à l'atelier et j'ai eu l'occasion en plus de poser mes questions aux médecins. Et j'ai avancé avec ça. Quand on rentre dans l'espace, ce qui est bien, c'est qu'on est protégé, en fait. On peut dire, parce qu'on a toujours un peu de colère contre ce truc, cette maladie qui nous a surpris. Donc du coup, c'est bien d'être protégé et d'avoir de la bienveillance, en fait, autour de soi. Je suis venue à Léry pour prendre des informations pour un proche qui ne pouvait pas se déplacer, qui était atteint d'un cancer, et donc pour obtenir de la documentation. D'avoir une écoute comme ça, voilà, dans un endroit calme, c'était un moment, je ne vais pas dire pas de recueillement, mais où on peut
se mettent à l'écart un petit peu. L'IRI est un soin de support puisque les soins de support ont pour objectif quelque part de contribuer à l'amélioration un petit peu de la qualité de vie des patients. Et l'IRI, en proposant cette approche, cette écoute en fait du patient quelque part, en essayant de répondre à ses besoins, de l'orienter correctement vers le professionnel de santé concerné, contribue, je trouve, à ma façon aussi à atteindre cet objectif. Quand je suis venue voir Fabienne, en fait, elle m'a présenté également les différents soins de support. Et en fait, moi, ce que j'ai entendu dans ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit plusieurs choses, j'ai entendu que j'avais la possibilité d'aller voir un psy, qu'il y avait des séances de sophrologie qui étaient proposées, et puis également des cours de karaté. Alors ça... Le karaté, les mouvements de karaté sont adaptés. Ils sont adaptés à la limitation induite par le traitement du cancer, surtout de la chirurgie. Eux, avec leurs problèmes physiques dus au cancer, et moi, avec mon expérience, c'est un travail que l'on fait ensemble pour améliorer leur physique et le sentiment de leur corps traumatisé par ce cancer. 1, je reviens. Rotation, je reviens. Quand j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à ça? Bon, j'avais vraiment peur d'être encore plus fatiguée malgré tout ce qu'on disait. Ben d'abord, ça m'a apporté beaucoup moins de fatigue. Mais vraiment, jusqu'à les deux derniers mois de chimio qui ont été vraiment très durs, mais sinon, je ne me suis jamais vraiment sentie fatiguée, jamais. En plus, ben, le groupe, rencontrer le groupe, voir des gens malades, comme moi. Enfin, je sais pas, j'imagine plus ma vie sans y aller régulièrement, quoi. Au début, j'étais très réticent parce que je me suis dit ça ne m'apportera rien. Hein. Enfin, surtout à mon âge, faire du karaté, ça ne m'était pas venu à l'esprit du tout. Et puis, je me suis aperçu que c'est une bonne thérapie. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui nous aident à nous sortir, parce que c'est vrai que des fois c'est très très dur, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées et donc on se retrouve, on fait un noyau amical vraiment très très fort. C'est très exigeant vis-à-vis des professionnels, les soins de support, parce que d'abord ça demande de sortir de cette logique très focalisée sur le cancer, donc ça demande d'ouvrir son regard déjà. Et ça demande ensuite d'avoir effectivement une écoute très fine et à chaque instant pour entendre, sentir à partir de petits signes, parfois très très infimes, que quelqu'un pourrait avoir un besoin particulier et pourrait être aidé avec une approche en soins de support. Il y a une relation de confiance qui va se créer avec le patient, qui est un élément qui n'est pas négligeable dans la prise en charge. Hein, donc on ne traite pas des tumeurs, comme je vous disais tout à l'heure, on traite des personnes, hein, donc c'est un contact qui est important. C'est une pathologie qui fait peur, concrètement. Voilà. Donc le soin relationnel est hyper important, l'écoute est hyper importante en fait. Le dialogue, le discours, le sourire aussi, ça aide pas mal. Tout le monde nous le dit. Les soins de support sont un outil pour moi parce que ça me permet encore plus de me rapprocher du patient. Parce que je peux justement... parler, développer des soins de support, ce que c'est et tout ça, et voilà, c'est génial. Est-ce qu'il y a des gens que je dois voir? Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe pour vous? Il ne faut pas me dire un mot de travers, voyons, parce qu'elle regarde tout. Voilà, tout s'explose. Mais ça, c'était comme ça quand vous étiez à la maison aussi ou... À la maison, non. À la maison, il était interdit. Donc, depuis que vous êtes ici? Plus ou moins, plus ou moins. Depuis que je suis que j'ai eu cette maladie, voilà, c'est ça. Parfois, tout seul, hein, on est coincé dans ses propres difficultés, et même si on est très bien entouré, justement, parfois, les proches sont trop proches pour avoir la distance nécessaire pour discerner d'où proviennent les difficultés, et c'est pas non plus leur métier. C'est un premier pas qui est difficile à faire, mais ce que disent souvent les professionnels qui parlent de nous aux patients, c'est que
On ne leur demande pas forcément de raconter leur vie comme ils le pensent, que les patients ont souvent peur aussi de silence et du fait qu'on va les juger. Donc les professionnels leur expliquent que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, je pars souvent aussi de la situation présente du patient. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide là où un patient a besoin d'aller, c'est le patient qui sait. Et donc moi, je ne fais qu'écouter ce que sait le patient au fond de lui. Et le travail du psychologue, c'est de lui permettre de sentir mieux au fond de lui ce qu'il souhaite vraiment. On n'a pas envie de parler à notre entourage de ce qui ne va pas, quoi. De ce qu'on ressent, de notre ras-le-bol, de notre énervement, et on ne sait pas pourquoi. Hein, mais, et quand moi je vais à ces séances, eh ben, j'ai l'impression de poser mes valises, quoi. Voilà. De me décharger. Et ça me fait du bien. Voilà. Vous bloquez le respire. Vous revenez dans le présent avec la tête bien dans l'axe, bien en face. Et puis ma foi, doucement, en soufflant profondément, soufflez, renvoyez au passé. Alors la sophro, c'est un petit peu un retour au corps. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans les sensations du corps, puisque maintenant on vit dans un monde où la place est au mental, on est toujours en train de réfléchir. Retrouver le corps, c'est important parce que le corps a subi, a été touché, a été maltraité par plein de choses, par la maladie, par les traitements médicamenteux, par tout ce qu'on veut. Et se réconcilier avec son corps, ça me paraît capital. Eh bien, prenez le temps de laisser le poids de votre corps là se poser. C'est vrai que l'énergie, on la perd. On la perd. L'énergie qu'on a eue pendant un an de traitement, on arrive à pas déprimer, mais à retrouver des choses qu'on n'a pas ressenties pendant tout ce temps où on a gardé les nerfs que pour les soins. Ça me force à reprendre des contacts avec des gens que je ne connais pas, qui ont eu éventuellement la même maladie. Je ne voulais pas au départ rentrer dans ce système. Je n'avais pas l'intention, parce que je me suis dit, on va encore parler de la maladie et tout ça, mais en réalité, non. Donc on va faire des petits mouvements, comme ceci, tout en douceur. Et on va tapoter et faire pénétrer ce qui reste. Alors on monte progressivement, de bas en haut toujours. On ne fait pas de haut en bas. C'est un moment où on est avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Et on peut arriver de se détendre encore plus que si on est chez l'esthéticien normal. Parce que souvent, on a des petits problèmes, comme on n'a pas de cheveux ou un peu de cheveux, peut-être on n'a pas de sourcils, peut-être on n'a pas nos cils. Et on est moins gêné quand on est avec d'autres personnes dans le même cas. Vers le milieu de la radiothérapie, ma peau, on va dire, avait vraiment changé, quoi. Et puis, ça commençait vraiment à me gêner, quoi, dans ce domaine-là. Voilà, que ce soit du niveau de mon corps, de ma tête, tout ça, ça commençait vraiment à me, on va dire... J'étais plus exactement... C'était un corps que je ne connaissais plus. Les chimios, ça agresse énormément l'organe peau. Et elle est sèche, elle se dessèche, elle a parfois des boutons, parfois des irritations. Et donc automatiquement, quand on va nettoyer, crémer, eh bien ça crée un certain bien-être, un certain réconfort. Il faut venir à l'atelier, il faut essayer l'atelier. Les gens qui sont là-bas sont super. On passe toujours un bon temps. Ça fait du bien. Au départ, j'avais des souvenirs pour l'art, et puis après tout le reste, je rachète. Non, c'est vrai, surtout. C'est vraiment. C'est beaucoup d'espoir, beaucoup de soleil. Là, j'ai eu du mal à. Ah, et puis j'ai réussi à faire des belles danses. Oui, par contre. Des beaux yeux. Par contre, j'ai des belles danses. Quand on nous a parlé d'art thérapie, je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, n'avaient pas du tout ce que c'était. On n'avait pas grande idée de ce que c'était. On s'est dit on va leur faire faire des petites choses bizarres, là, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, on découvre qu'on arrive à des choses quand même assez impressionnantes. On peut aussi ne pas avoir peint depuis fort longtemps, ou même ne jamais avoir peint, et que des choses se révèlent extrêmement belles.
on a envie de montrer aussi. L'art thérapie, c'est un moment de plaisir, un moment à soi, un moment où on va pouvoir exprimer sans les mots des émotions, des sentiments, des ressentis. Et si on n'y arrive pas, je suis là pour aider à ce que ça puisse se faire. Et l'art thérapie vient réveiller cette petite flamme de ce qui est vivant, qui est là, qui attend, qui s'est fait oublier. Et avec l'art thérapie, on va réveiller ça et ça va faire bouger tout le reste. Ce que je trouve formidable, cette thérapie, c'est que je ne suis jamais resté devant la télé et puis dire « putain, je suis malade, que je vais devenir » et tout. J'ai oublié que j'étais malade. J'ai complètement oublié. Pour moi, c'était un chantier. C'était voir des potes et faire de la peinture. Ça m'apporte la paix, en fin de compte, la tranquillité. Et puis, se dire que on peut faire des choses, quoi. Parce qu'en fin de compte, je dessinais quand j'étais jeune. Mais voilà, quand on se met en couple et qu'on a des enfants, eh ben, tout ça, ben, c'est ce don qu'on a ou cette envie qu'on a, ben, on le met pas, on le met pas en valeur parce que ben, y a d'autres choses qui passent avant, quoi. Voilà, on fait que courir. Et donc là, je ne cours plus. Je prends le temps de faire mes dessins. Et je suis très contente. Voilà. De voir les personnes dont on s'occupe aller vraiment mieux et être retrouver un sentiment d'elles-mêmes, je crois que c'est la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir en tant que soignant. Tout ce qui peut aider le patient, c'est du bon à prendre. Ça m'a apporté énormément. Je suis quelqu'un qui est positif aujourd'hui, que je n'étais vraiment pas bien. J'imagine pas comment on peut vivre son cancer avec rien que des soins médicaux. Ça m'a créé un club de solidarité et puis moralement ça me regonfle un peu, quoi. Enfin même beaucoup. Il faut se prendre en main, il faut faire des trucs, mais pas des trucs qui vous font... Il faut que ça vous fasse plaisir et puis oser. Ça fait du bien.